Pour se décrit de joie.
les situations, les dangers. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. C'est pourquoi toutes les puissances de l'occulte, toutes les puissances de divination, toutes les puissances de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église de Jésus-Christ, ne prévaudront pas contre les enfants de Dieu. Yes, Seigneur, on s'attache à ta parole ce matin. Et oui, en Jésus-Christ, oh! Dans la détresse,
épée entre tes mains, qui pourfend l'ennemi. Alors utilise ma parole afin de séparer ce qui est de l'ennemi dans ta vie et ce qui vient de moi. Prends mon épée, qui est ma parole, afin de faire avancer mon royaume, afin d'être victorieux dans ta propre vie et d'emmener la victoire sur ceux qui t'entourent. Je te donne cette épée. Prends-la et utilise-la. Elle est tranchante. Elle sépare la moelle de l'os. Elle est efficace. Prends-la. Prends-la, mon enfant. Amen. On va faire un dernier chant ensemble. Amen. On va déclarer sa majesté. Autorité sur tout l'univers, sur toute sa création. On va le déclarer dans la foi. On va le déclarer parce que nous sommes un peuple prophétique et nous déclarons le règne de Christ. Nous déclarons qu'il revient bientôt gagner. Il revient bientôt à Jérusalem. Il est le roi des rois, le Saint des Saints, le Dieu d'Israël. Proclamons-le. Thank you.
Parce qu'il est bon pour des frères et des sœurs d'habiter ensemble. C'est comme une ville qui coule sur la terre, sur la garde d'Aaron. Amen. Alléluia. Éric, est-ce que tu peux faire le témoignage tout de suite ou ça va être à travers ce que tu vas amener? Je vous dis de demander. On va passer pour les offrandes. Vous savez que les offrandes, ça fait partie de la louange. On est fidèle et on s'est réjoui de donner pour Dieu. Et j'aimerais vous inviter ce matin de bénir le ministère de Marlène et Éric. Simplement sur votre feuille de dîme ici, marquez invité. OK? Amen. Ça fait que simplement marquez invité et puis on est béni. Amen.